Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous pour bien commencer ce petit week-end d'une petite revue Transformers et plus précisément donc une revue consacrée au Studio Series The Movie 86 Snarl. Voilà, quatrième et avant-dernier membre donc de la team des Dinobots. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et commençons tout de suite les présentations par la boîte avec un artwork absolument magnifique de toute beauté. Regardez-moi ça, notre Dinobot Snarl en pleine action. Donc nous sommes à l'échelle Leader Class. Donc en termes de prix, comptez 50-55 euros le bestiau. Mais bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même un gros pépère. Sur la tranche latérale droite, un gros plan sur le visage, enfin sur la gueule de notre Snarl. Et puis donc sur la tranche latérale gauche, voilà, sans surprise, la même chose. On nous indique bien donc qu'il s'agit d'un leader class. Au dos de la boîte, notre traditionnel produit commercial, donc notre Snarl sous sa forme Dinobots, inspiré donc du stégosaure, et puis donc sous sa forme robot. Voilà. Plutôt pas mal. On nous indique également donc que la transformation s'effectue en 31 étapes. Studio Series oblige, nous retrouvons également donc notre fameux socle diorama, donc sur lequel vous pourrez exposer votre Dinobots. Et bien évidemment, nous y retrouvons la petite notice. Et attardons-nous donc à présent sur notre petit Snarl et les finitions plutôt très propres. Voilà, le visage donc ainsi que les pattes dans une sorte de jaune gold teinté dans la masse. Pas mal de petites finitions ci et là à la peinture. Notamment, vous voyez les petites pièces ici, quelques circuits imprimés, les yeux en bleu chromé métallique, voilà, du plus bel effet. Nous retrouvons également donc le symbole Autobots, voilà, sur le dessus de la tête. Nous avons, voilà, toutes ces plaques, tous ces pics qui sont donc dorés. J'aime beaucoup, ça ressort bien sur la figurine et c'est aussi, voilà, ça donne un petit aspect assez premium, assez qualitatif au jouet. Voilà, de bien jolies finitions. Les moulures sculptures, vous pouvez l'apprécier par vous-même. Vous voyez, c'est voilà, les finitions sont extrêmement soignées. Nous avons plein de détails au niveau du dos. Voilà ce que ça donne de derrière. Nous retrouvons également donc la queue du stégosaure, là encore donc toute dorée et vraiment très bien détaillée. La seule chose que je n'aime pas trop, c'est que la queue va trop vers le bas. Elle est trop rentrée vers l'intérieur. J'aurais aimé quelque chose qui, voilà, qui suive dans la continuité, qui soit un peu plus fluide. Et donc qu'on voit un peu plus la queue, vous voyez, sur le côté. Là, elle est un peu trop entre les jambes. Voilà, le jouet géant avait ce même défaut. Mais bon, là aujourd'hui nous sommes en 2023 et je pense que pour cette partie-là, voilà, Hasbro aurait pu faire quelque chose d'un peu plus soigné. Sinon, globalement, voilà, les finitions sont vraiment super propres. Petit bémol également, tout comme le géant, donc la tête se scinde en deux durant la transformation. Là, le problème, c'est que nous avons donc la ligne de démarcation juste ici. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu et faire une mise au point. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, on voit la ligne de démarcation entre les deux parties de la gueule. Ça, c'est vraiment pas beau du tout. C'est trop visible. Le géant avait le même problème, mais vu que la tête était translucide, c'était quand même moins visible. Voilà, ça, je regrette un petit peu, hein, cette petite finition ici, un peu caca. Après, donc, concernant les articulations, bah, voyez, vous avez les pattes sur Ratchet. Voilà, c'est du costaud, ça tient bien. Vous pouvez également bouger, voilà, tout l'ensemble. Pareil, voilà, pour l'avant. Nous avons également en petit gimmick, donc, comme ses compères, la gueule qu'il est possible d'ouvrir. Là encore, petit bémol,
Du fait que la tête se divise en deux, nous n'avons pas de petit ergot ici qui permet de pouvoir ajouter un effet de feu de tir, comme ces copains longs, vous voyez, qui donnent l'impression en fait que notre snarl crache du feu. Voilà, j'aurais bien voulu retrouver ce petit gimmick présent sur les autres, malheureusement pas sur celui-ci. Autre chose, également sur les autres dinosaures, les précédents Dinobots, nous avons en général une épée, un gun, voire même des fois une figurine. Sur celui-ci, en termes d'accessoires, nous n'aurons que son épée. Pas de blaster, pas de gun, contrairement aux autres. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je vous rappelle qu'on est quand même dans du leader class, 50, 55 €, voire même 60 € dans certaines boutiques. Voilà, je trouve que c'est un petit peu mesquin. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus d'accessoires. Ceci dit, l'épée, comme vous pouvez le voir, est vraiment très fidèle. Les finitions sont très soyeuses, très bien finies. Voilà, on a plein de petits détails également, et j'apprécie beaucoup aussi, voilà, le fait d'avoir peint en argenté métallique légèrement brillant. Donc voilà, cette épée qui est vraiment très sympa, très propre. Et pour le stockage, vous allez voir, c'est tout bête. Vous avez deux petits tétons juste ici, et vous avez, voilà, deux prises femelles juste ici. Vous venez tout simplement prendre votre épée et venir la loquer comme ceci. Et voilà, l'épée est cachée et on ne la voit plus du tout. Et donc, vue de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'undercarriage. Et vous pouvez voir, tout est vraiment compact. Tout est bien clipsé, tout est bien intégré, tout tient, c'est du costaud. Donc voilà, à ce niveau-là, on n'est pas déçu. Autre chose, autre bon point, hein, c'est comme ses compagnons. Voilà, par rapport à la taille du jouet, le poids est vraiment conséquent en main. On voit qu'on a des plastiques vraiment de qualité. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On n'a pas l'impression d'avoir un truc trop cheap dans les mains. Donc voilà, nouveau bon point. Je reviens sur le fait qu'il n'y ait pas d'armes. C'est un petit peu dommage parce que vous voyez ici, on a un port 5 mm qui nous aurait permis de pouvoir passer le canon, voilà, ou éventuellement, bon, l'épée, mais tout de suite, voilà, ça vous a moins de gueule. Donc voilà, c'est dommage, hein, on avait vraiment un port pour un flingue. Voilà, c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Voilà en tout cas, donc, pour mon bilan et mes impressions sur le mode alternatif. Petit comparatif et petite photo de famille aux côtés donc de notre Snarl Génération 1, notre bon précieux, donc sorti en 1985. Et franchement, pour son âge, je trouve, voilà, qu'il est toujours aussi superbe. Alors, vous voyez, on retrouve, hein, le même problème avec la queue, mais voilà, la queue est quand même un peu plus déportée vers l'extérieur, donc ça choque un petit peu moins. Autre chose, bien entendu, le fait que nous avions donc des pièces métalliques et aussi des pièces chromées, voilà, dorées. Ça, c'est le genre de finition, vous voyez, ces choses-là. Et on est, voilà, pour un robot de 85, vous voyez, c'est toujours présent, hein, le chrome n'a pas bougé. Voilà, j'aurais vraiment voulu voir quelque chose de ce style-là sur notre Snarl. Malheureusement, vous le savez, dans cette gamme Studio Series tirée donc du film de 86, enfin du film, du long métrage animé de 86, Hasbro a fait le choix donc de s'inspirer des couleurs du film animé et non pas du jouet. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon. Que dire, eh ben, c'est comme ça, malheureusement on ne peut pas faire grand chose. Et comme je vous le disais, donc vous voyez la gueule juste ici, ben, c'est pareil, elle est scindée en deux, sauf que le fait qu'elle soit transparente, vous voyez, eh bien on voit beaucoup moins cette marque, cette ligne de démarcation. Voilà. Donc le G1, pour moi, en termes de mode alternatif, je le trouve quand même, excusez-moi, mais plus beau que la version Studio Series. Voilà, c'est un petit peu dommage. Le G1, franchement, est toujours aussi beau. Voilà, petit bémol quand même, hein, pour le mode alternatif de notre Snarl. D'autant plus que les Dinobots, en général, vous êtes d'accord avec moi, on les expose plutôt dans leur mode bot, dans leur mode dino, qu'en mode robot. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le mode. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des points négatifs. Et ça, c'est quand même à souligner. Et pour conclure avec le mode dino, eh bien, bien évidemment, donc petite photo de famille avec donc ses autres copains de la gamme Studio Series The Movie 86. On y retrouve Grimlock,
Slag, Sludge, et puis bien entendu donc notre Snarl juste ici. Ne manque plus que le cinquième membre, Swoop, et toute la team sera vraiment au complet. Et là, vraiment, quand on les met tous ensemble, je trouve que le résultat est quand même très joli. Ça vous a de la gueule. C'est voilà, c'est dans leur mode comme ça, dinosaures, ils sont vraiment absolument magnifiques. Et du coup, Starl fit bien, quoi. Il se mélange bien avec les autres. Et on lui trouve tout d'un coup un petit peu moins de défauts, puisque voilà, on a une vue globale sur la, voilà, sur les différents personnages. Donc voilà, vraiment une très belle équipe. J'ai vraiment hâte d'avoir Swoop pour vraiment m'éclater avec, voilà, les 5 Dinobots au complet. À suivre. Alors concernant la transformation, ce n'est que du bonheur. La transformation est vraiment super bien pensée, c'est ingénieux. On retrouve quelques petites étapes qu'on avait pu avoir avec le Génération 1, par exemple. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, vous allez venir prendre les pattes avant, voilà, les loquer comme ceci. Ensuite, vous remontez le tout comme ça. Idem ici. Hop, on remonte. Ensuite, vous allez venir déclipser, hop, ces deux panneaux-là, comme ceci. Ensuite, vous venez, hop, déloquer également ces deux panneaux, juste ici. On vient déloquer également, voilà. La partie juste ici où se trouvent donc les épines arrière, vous avez deux ergots qui viennent respectivement donc se loquer ici. Voilà, on vient déployer le tout comme ceci. On continue cette fois-ci en prenant donc la tête. Voilà, comme ça. On vient la remonter comme ceci dans un premier temps. Ensuite, vous venez déclipser, vous voyez, vous venez donc, vous prenez cette partie-là, vous venez tirer dessus comme ceci, ce qui a pour effet donc de dégager les pieds. Vous levez légèrement cette partie-là comme ceci. Voilà, on vérifie que tout est bien déclipsé. Ensuite, voilà. Vous venez déployer ce qui va former les jambes et notez au passage hein, le bruit des ratchets. Voilà, vraiment super. Vous venez rabattre et loquer ces deux petits panneaux-là pour commencer. Et on remarque que la tête, donc, c'est automatiquement scindée en deux. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à venir rabattre et loquer. Voilà, comme ceci. On vient ramener les extrémités des pieds. Et ensuite, donc, on passe à cette partie-là, qui est vraiment très astucieuse. Vous venez déloquer la patte. Vous avez un panneau, vous voyez, qui vient donc effectuer une rotation comme ceci. On continue cette fois en venant donc rabattre la patte, voilà, vers le bas, comme ceci. On vient loquer le tout, voilà, tac, et quand c'est fait, vous venez rabattre, et là encore, donc vous loquez correctement cette partie-là, hop, 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 et voilà donc la première jambe de transformée. Même chose pour la seconde, vous venez déclipser ce panneau-là avec la papatte, voilà. Vous venez rabattre cette dernière comme ceci. On vient loquer de façon, voilà, à venir sécuriser la patte arrière. Et ensuite, vous venez rabattre. Et là encore, donc, vous loquez ici et ici. Et voilà donc les deux jambes de notre snag sont transformées. Ensuite, nous venons faire une rotation du bassin comme ceci. Vous avez cette partie-là, donc du coup, qui forme le chest. Vous avez un ergot mâle, un ergot femelle. Vous venez rabattre et loquer ce dernier, comme ceci. Ensuite, nous venons
d'éclipser. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur. Hop là, nous venons d'éclipser donc la patte arrière, comme ceci. Voilà. On vient mettre le bras en place, comme cela. Vous venez faire une rotation vers l'intérieur du bras et vous venez le loquer. On entend bien le clac. Voilà, comme ça. Ensuite, vous ramenez le bas de la patte vers l'arrière, comme ceci. Vous faites une rotation du pied dans un premier temps. Et ensuite, donc, nous allons en profiter pour sortir, hop, le point. Voilà, de notre snarl. Ensuite, vous venez rabattre la patte comme ceci. Vous avez un ergot mâle ici et un ergot femelle. Vous venez rabattre et loquer la patte comme ça. Et ensuite, vous venez, voilà, remettre le tout comme ceci. On met le bras en position. Et voilà, le premier bras transformé. Même chose avec la seconde, on vient déloquer ici, on effectue une rotation, on vient loquer cette partie-là à l'intérieur de l'épaule. Voilà, on entend bien le cliquet. On vient sortir le point, rotation du bas de la patte. Vous pouvez ensuite pivoter. On rabat, on lock et on rabat complètement, on lock à nouveau. Et voilà le deuxième bras de transformer. Ensuite, vous venez séparer donc la queue en deux, comme ceci. Vous avez le passage qui vous permet de venir sortir le cucu, la tête-tête de notre snarl. On loque bien le tout proprement. Ensuite, vous avez un petit ergot juste ici que vous allez venir loquer juste là dans le dos dans un premier temps comme ça et ensuite vous avez ces deux ergots là qui vont venir se loquer respectivement ici et ici. On relève, on loque, voilà, on revient sur notre snarl et dernière chose, on vient donc pousser les jambes vers le bassin, hop, voilà. Nous mettons les bras en place, le cucu, la tête-tête. Et pour terminer, voilà son épée. Tac. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre snarl transformé. Yes! Et petit 360 de notre snarl dans son mode bot. Que dire? Le mode bot, c'est une tuerie. J'adore. Regardez-moi ça, cette carrure, cette prestance, ce charisme, cette baraque. Véritablement, nous avons vraiment donc les colosses d'Inobots tels que nous les voyons dans le dessin animé. Hein. Voilà, sa carrure est vraiment superbe. J'apprécie aussi, mais bon, c'est du leader class, donc c'est voilà, c'est un peu le minimum requis quand même. Mais on constate que nous n'avons pas de jour, de creux, de quoi que ce soit. Tout est bien rempli, tout est bien compact. Donc voilà, ça c'est vraiment très plaisant. Pas de jour aussi au niveau, voilà, au niveau des avant-bras, puisque nous avons les pattes donc qui viennent se loger et qui viennent donc du coup naturellement combler les vides. Voilà, vraiment une carrure super badass. Petit zoom à présent donc sur le visage, le cucu, la tête-tête de notre snarl. Et là encore, c'est un perfect. Regardez-moi ce visage impassible. Donc tout le visage est en métal argenté, légèrement mat. Voilà, pas trop brillant, pas trop mat. On va plutôt dire satiné. Voilà, ça je pense que ce sera un petit peu mieux. Le nez parfaitement moulé, la bouche, les yeux bleus. Voilà, le casque. Il n'y a pas à dire, c'est véritablement donc le visage de Snarl. Avec donc sur son torse le symbole Autobots. Et puis donc quelques petits détails également à la peinture. C'est dommage, les plastiques rouges comme ça teintés dans la masse, c'est pas mal, mais je trouve que ça donne un côté un peu cheap au robot. Pour le reste, voilà, c'est vraiment superbe, plein de détails.
Alors, je vais réduire l'image, mais vraiment, voilà, il est super détaillé, les jambes particulièrement, voilà, j'adore cette partie-là. Voilà, vraiment un beau pépère. Au niveau des articulations, eh bien, leader class oblige, nous avons donc, voilà, tout ce qu'on est en droit d'attendre sur une figurine de ce type. Vous pouvez, voilà, lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite. Vous avez également donc une rotation de cette dernière à 360. La pupe Dove, regardez-moi cette amplitude, c'est nickel et c'est propre. Le mouvement est vraiment bien fluide. Nous avons également donc une rotation, et écoutez-moi ces ratchets, voilà, c'est du costaud à 360. Alors pour ça, par contre, on va déclipser, voilà, la petite corne juste ici. Hop, et voilà, 360 de l'épaule. Nous avons également donc un joint champignon, voilà, qui permet donc d'effectuer une rotation intégrale de l'avant-bras. Au niveau, voilà, de l'articulation du coude, là encore, nous avons donc une articulation parfaitement fluide, à un petit peu plus de 90 degrés. C'est plutôt pas mal. Et nous avons également donc les points que nous pouvons pivoter sur eux-mêmes. Voilà, j'aurais bien aimé peut-être avoir des mains articulées, mais bon, voilà. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Nous avons une rotation à 360 du bassin, vous me direz, c'est tout à fait normal, et vous avez raison, pour un leader class. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va passer donc au grand écart JCVD. Regardez-moi ça, cette position, il l'assure sans broncher, et pourtant, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une grosse baraque. Et le grand écart latéral, là encore, voilà, regardez-moi ça, le mouvement est parfaitement fluide, naturel, ça c'est vraiment très très joli, très bonne articulation. Vous avez également donc la possibilité, voilà, de baisser légèrement le buste de notre robot. Qu'est-ce que j'ai oublié? Nous avons également donc, voilà, un joint champignon qui permet une rotation de la jambe, une articulation du genou à 90 degrés, parfait, rien à dire. Nous avons donc le pied que nous pouvons lever, baisser, et puis donc nous avons cette partie-là que nous pouvons incliner de façon, voilà, à donner plus d'amplitude de mouvement à notre robot. Donc vous pouvez incliner donc la partie avant. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, déclipser la partie arrière, voilà, pour avoir deux articulations différentes. Hop, voilà. Donc, vous l'aurez deviné, tiens, on va rabaisser ça, vous l'aurez deviné, en termes d'articulation, il fait son taf. C'est pas ouf non plus, on retrouve vraiment les articulations, ben, d'un Deluxe, notamment les derniers Deluxe que je vous ai présentés, hein, qui proposent le même type d'articulation. Voilà. Ça fait son taf. On a de quoi se faire plaisir, en termes de pose dynamique. Et c'est bien là le principal. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez également, donc stocker son épée. Voilà, juste ici, comme ça. Et voilà. Le truc tout con, mais bon, c'est possible, si vous voulez, ou si vous préférez du moins exposer votre snarl. Voilà. Une position, voilà, sans son épée. Et pour finir cette vidéo en beauté, petite photo de famille, donc de mes deux différents snarls, bien entendu, donc la version Studio Series The Movie 86, et puis juste ici, juste ici, juste ici, notre bon vieux géant, voilà, mon petit chouchou, que voici, que voilà. Qui je trouve aujourd'hui encore, bah tiens plutôt la route pour un géant, voilà, du beau Transformers comme on les aime. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Snarl, issu donc de la gamme Transformers Studio Series The Movie 86. Ce n'est certes pas le meilleur des quatre, puisque pour l'instant donc c'est le quatrième. Mais en revanche, donc voilà, j'aime beaucoup le mode robot. Il y a quand même pas mal de choses positives
positives du moins à retenir dedans. Et puis comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc en mode Dinobot, il fit parfaitement, il se mêle parfaitement donc avec ses compagnons. Voilà, donc vraiment une figurine très sympathique, je suis content de l'avoir. Et puis en même temps, quand on est fan des Dinobots, voilà, on essaye au maximum de pouvoir compléter la team au complet. Donc voilà, je suis vraiment très content de cette acquisition, malgré les défauts que je vous ai évoqués. J'aurais voulu avoir une arme, j'aurais voulu avoir une compatibilité avec les effets de feu, de tir, je sais pas, peut-être une figurine ou quelque chose en plus. Bon, voilà, le contenu est un peu pingre, comparé au précédent. Voilà. Pour le reste, c'est vraiment du tout bon. Une belle figurine qui pourra trôner fièrement dans votre vitrine en compagnie donc de ses amis Dinobots. Vivement, vivement la sortie de Swoop. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit robot. On se retrouve donc très prochainement, bien entendu, pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis. Plein de bisous. Bye bye. Tchuss. Ouais, et surtout, n'oubliez pas les petits pouces bleus sur la vidéo du papy. Ça lui fait toujours très plaisir. Et puis quand il est content, eh ben il est gentil avec nous. Et du coup, bah nous aussi on est content. Voilà. Merci d'avance pour les petits pouces bleus, les mecs. Ouais, merci pour les mousses pneus, les mecs. I would have waited an eternity for this. It's over, Brian.